Vous regardez le petit chat, je m'appelle Bijou. Mercredi soir, Apple a annoncé le décès de Steve Jobs, le fondateur et l'ex-patron de la société. Sa mort fait suite à une longue bataille avec le cancer du pancréas. Il était âgé de 56 ans. Steve, qui était le patron d'Apple, a résigné le mois dernier en raison de sa santé. Nous pleurons la mort de ce visionnaire qui a transformé la technologie. À vous, Sina. Lundi, le 3 octobre, Amanda Knox était en route aux États-Unis après l'annonce de sa liberté. Knox était étudiante américaine en Italie et en 2007, sa colocorite britannique Meredith Kircher a été trouvée assassinée dans sa chambre. Knox a été condamné à 26 ans de prison. À vous. Ah, merci. Samedi 9 octobre, Sarkozy a rencontré avec le UI de sorte à parler de recapitaliser les banques européennes. La directrice de FMI, Christine Lagarde, a rencontré avec Sarkozy pour des traductions finales avant la réunion franco-allemande. Le coût estimatif est 460 milliards d'euros, mais certains pays ont déjà commencé de recapitaliser ces banques. Et vous, Béjon? Merci pour le petit chat. Je m'appelle Bijou. Ils sont les chats. Bonsoir.